Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 4 de spécialité partie B, Bac S Bondy Chéri 2017. Exercice ayant pour thème suite numérique, arithmétique et matrice. Voici l'énoncé. On définit les suites UN et VN par U0 est égal à 1, V0 est égal à 1, et pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égal à 2UN plus 3VN, et VN plus 1 est égal à UN plus VN. On admettra que les termes de ces suites sont des entiers naturels non nuls. Étude arithmétique. Première question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel N, on a 2 fois UN moins 3 fois VN est égal à moins 1 puissance N plus 1. Soit n un entier naturel, déduire de la question précédente la valeur de PGCD de UN PN. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, démonstration par récurrence, on va noter PK, alors PN, PN, 2 UN moins 3 VN est égal à moins 1 puissance N plus 1. Alors, initialisation. K égale à 0. On sait que U, donc 2U0 moins 3U0, eh bien ça va être 2 fois 1 moins 3 fois 1. Donc, moins 1. C'est bien moins 1 puissance. Hérédité. On suppose que pour un rang n, un rang k supérieur ou égal à 0, la propriété pk est vraie. Donc ici ça va être 2uk, donc pk c'est 2uk moins 3vk égale à moins 1 puissance k plus 1. On démontre que la propriété pk plus 1 est vrai. Alors ici, 2 uk plus 1 moins 3 uk vk plus 1 est égal à. Donc alors on va utiliser les définitions des suites. Donc ici, donc un plus 1 c'est 2 un plus 3 avec n, donc 2 uk, 2 fois 2 uk moins 3 vk, plus 3 vk, moins 3 2 uk plus vk. Donc, bien entendu, si on développe, 4 uk plus 6 vk, moins 6 uk plus moins 3 vk. Donc c'est égal à moins 2 uk moins 2 uk plus 3 vk. Or ici c'est moins 2 uk moins 3 vk. Moins 1 fois moins 1 puissance k plus 1, ça c'est l'hypothèse de récurrence, donc c'est égal à moins 1 puissance k plus 2. La propriété pk plus 1, donc la propriété pk est héréditaire donc. Conclusion. La propriété pk est vraie pour k égale à 0. Elle est aussi héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant à n. Donc voilà, démonstration donc, par récurrence. Alors, déduire
de la question précédente, la valeur de PJCD, du UN et VL. Donc, question précédente, on a montré que 2UN moins 3VN égale à moins 1 puissance K plus 1. Donc, soit 2UN moins 3VN égale à 1, ou alors 2UN moins 3VN égale à moins 1. Ou alors, donc ici, ça va être 3 moins 2UN plus 3VN égale à 1. Donc ici, PGCD de UN VN d'après le théorème de Bezout. Eh bien, PGCD de UN et VN égale à 1. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.